Donc, Marcus, tu as été ici avant. Tu as cassé une Wii. Tu as cassé une PS3. Et eu quelques petits soucis légaux. Sans aucun fondement. Et tu as niqué. Et désolé pour mon français. Donc tu as niqué la Wii U et ben, le console hacking 2016. Oui. Donc ça commence. Je suis un type paresseux, j'ai pas encore allumé mon ordi pour les slides, donc laissez-moi faire ça. Ça va peut-être marcher, j'espère. Donc mon ordinateur est un peu bizarre. Il y a beaucoup de logiciels open source qui tournent dessus, FreeBSD. Il a des trucs comme OpenSSL, Nginx dessus, et Cairo, et WebKit. Il y a beaucoup de logiciels open source qui tournent dessus. Et on sait tous que BSD est en train de mourir, donc on peut le transformer en quelque chose de plus intéressant et espérons faire une présentation dessus et voir comment ça fonctionne. Pas mal de rires dans la salle. Donc on commence avec un écran noir, donc le système de fichiers se charge, et voilà, ça boot. Et oui, j'utilise Gentoo Linux. C'est... Est-ce que le Wi-Fi fonctionne un instant? J'espère. NTP, oui. Non, NTP, bon, ça n'a pas marché, ça fait chier, mais ça fonctionne. Allez. Ça prend un peu de temps à démarrer, il n'y a pas système D, vous savez. C'est sain, c'est plus lent, mais c'est sain. Ok, voilà. C'est le... Est-ce que ma manette fonctionne un instant? Le Bluetooth. Ok, ça fonctionne. Ok, donc on commence. Donc, c'est Console Hacking 2016, PS4, PC Master Race. Je m'excuse pour l'horrible blague nazie dans le titre, mais bon, c'est un truc d'Internet. Hein. Donc, la PS4, c'est un PC ou c'est pas un PC? Mais bon, avant de commencer, j'aimerais dédier ce talk à Ben Bayer, qu'on connaissait sous le pseudo de Bushin, qui est malheureusement décédé en février dernier. C'était un grand hacker, il était là à beaucoup de congrès, une des personnes les plus sympathiques que j'ai rencontrées, et je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous serait d'accord avec ça. Et si c'était pas pour lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ok. Donc, la PS4. C'est un PC, c'est pas un PC. C'est un peu différent des consoles précédentes. C'est un x86, avec FreeBSD, avec WebKit. Il n'y a pas d'hyperviseur, malheureusement. Mais bon, la PS3 en avait un, ça servait à rien, donc bon. Et donc, c'est différent de la PS3, mais c'est pas totalement différent. C'est un processeur de sécurité qu'on peut, en fait, ignorer, parce que ça sécurise rien, en fait. Donc, ça va. Ok. Donc, comment est-ce qu'on poutre une PS4? On écrit un exploit WebKit et un exploit FreeBSD. Et bon, tout tourne sous WebKit et FreeBSD, pas spécialement l'OS le plus sécurité et pas avec les personnalisations de Sony. Donc bon, c'est chiant, c'est embêtant. À quoi ça sert de faire ça? Donc, à la place, ce talk va parler de quelque chose d'un peu différent. Petit 1, une fois qu'on a notre exploit, étape 3, quoi? Étape 4, profit. Mais quoi? C'est sur quoi? Donc, avant d'écrire un exploit, il faut qu'on ait le code qu'on veut exploiter. Et avec WebKit et FreeBSD, on peut, mais leur build, elle est custom, c'est un peu compliqué d'écrire un exploit quand t'as pas les binaires. Donc, il faut commencer par dumper le code. Comment on fait? Donc, étape 0, extraction de code en black noir, en s'amusant. Il y a très longtemps, dans un hackerspace très, très lointain, FailOverflow, c'est... rencontré après le 31C3, et on a regardé la carte mère. Donc on a un SAS Birch, on a un APU, le processeur principal, Liverpool, qui fait GPU et CPU,
que AMD fabrique. Et ensuite, le South Bridge se connecte à toutes les merdes USB, HDD, qui est connecté en USB pour une raison très bizarre, hein, inexplicable. SATA USB, puis USB SATA. Bon, il y a du SATA, pourtant, ouais. Bon. Le lecteur Blu-ray, lui, est en SATA. On a du Wi-Fi et du Bluetooth en GMI. Pardon. Ah, et on a X-Screensaver. Non. Donc, le screensaver fonctionne, c'est cool. Je pensais que je l'avais tué. Attendez, je vais le killer vite fait. Il fallait bien que quelque chose foire. Donc, oui, je pourrais rentrer en SSH, je peux rentrer en SSH sur la PS4. Voilà, c'est fait. Ok. Donc, du coup, quelle interface vous allez attaquer? Bon, l'USB, le SATA, SDIO, GMII. C'est contrôlé, c'est sous le contrôle du CPU. Il balance des commandes, le device répond. Le device ne peut pas faire grand-chose. Donc, on ne peut pas écrire à la mémoire depuis le device. Donc, on peut exploiter l'USB si on a un bug dans la pile USB, mais bon, on a toujours le problème de ne pas avoir le code. La GDDR, ça pourrait être cool d'écrire, mais c'est un bus très rapide. On peut l'exploiter, hein, si tu fais un système sécurisé. Ne pars pas du principe qu'on ne pourra pas poutrer le GDDR4, mais ce n'est pas le chemin à la plus faible résistante. Par contre, il y a un truc qu'on appelle le PCI Express au milieu, là. Intéressant. PCI, c'est très drôle pour toute la famille. Donc, c'est du bus master, ça peut faire des accès directs mémoire. C'est compliqué, les trucs compliqués sont difficiles, c'est difficile de les implémenter correctement. C'est robuste, les gens pensent que PCI est un truc voodoo. Non. C'est, on peut connecter à l'arrache avec de la ferraille. PCI, ça fonctionnera sur des courtes distances, c'est pas si sensible que ça. Ça tolère bien les retards, les délais. Donc, on peut prendre son temps pour répondre. Et il y a plein de merde dans les drivers parce que personne ne prend le temps de bien écrire les drivers. Ils devraient être bien écrits parce que des gens font des méchants pilotes, mais bref. Donc, à quoi il sert le PCI? Il connecte la motherboard au FPGA. Il connecte l'APU au FPGA et la carte mère à South Bridge. Et on peut le manager pour le faire passer en vitesse 1. Donc, comment est-ce qu'on connecte la carte mère au FPGA? On peut le faire de plein de façons. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont fait du hardware hacking? À peu près la moitié de la salle lève la main. Quand vous hackez du hardware, après avoir fait clignoter une LED, quelle est la première interface que vous utilisez pour parler à votre software? Le port série. Et donc, on peut faire tourner du PCI Express sur le port série à 100 kilobytes en 0.00002X. Donc, ça tolère bien les délais. Et il y a un port gigabit Ethernet sur le FPGA, mais bon, après j'ai fait ça, mais bon, pour l'instant on a du PCIe.0002 dans une direction et en 0.05 dans l'autre direction. C'est asymétrique, hein, bon, le plus asymétrique du monde, mais ça fonctionne, hein, c'est marrant, mais PCIe sur série, ça marche. Ouais, ça fonctionne bien. C'est cool. Donc, PCI Express, c'est un réseau de paquets switchés qui fonctionne, qui utilise des paquets au niveau translation. Ça peut faire des accès en lecture-écriture mémoire dans les I.O. Ça peut faire dans les registres de configuration. Ça peut envoyer des interruptions de signalisation de message. Il y a des interruptions legacy qui émule les vieux systèmes, style se pin en high s'il y a une interruption, etc. Et les completions, qui sont les réponses des lectures. Ok, donc voilà. Donc faisons les dingues avec les accès directs en mémoire et dumpons le noyau. Sauf que non, il y a un IOMMU. Donc, il va protéger les périphériques, il va juste te laisser accéder à la zone mémoire qui est mappée à ton périphérique. Ça va pas te laisser écrire, lire n'importe où. Mais c'est pas parce qu'il y a une IOMMU qu'elle est utilisée correctement par Sony. Et donc, le pseudocode de Sony alloue un tampon sur la pile et s'il vous plaît, écrivez. Est-ce que vous pouvez voir le problème?
Bon, ça mappe le message, le buffer, ça lit. Ok, ils mappent par page entière, et ils ont mappé que 64K de leur pile, et donc on peut faire de la DMA directement dans toute la pile, et donc prendre le contrôle du flux d'exécution. Donc on a l'exécution de code, on a le dump du noyau, on a WebKit et les dumps des bibliothèques système. Donc c'était l'étape 0, donc on a le code, mais c'est pas la PS4, c'est un truc avec plein de câbles partout. C'est pas un bel exploit. Donc après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on fasse quelque chose. On a envie de faire tourner Linux. Donc, quelles sont les différences entre FreeBSD pour passer de FreeBSD à Linux? Comment on fait? C'est pas trivial. On va utiliser PS4 KEXEC. Donc, on jump dans Linux. Mais non, il faut charger Linux dans les parts contiguës de la RAM, il faut configurer les paramètres de boot, il faut éteindre correctement FreeBSD, éteindre les CPU secondaires, etc. Nouvelle table de pagination, désactiver les IOM, etc. Donc quand on a fait tout ce nettoyage magique, on a un joli état pour Linux, on peut jumper dans Linux. Ok, bon, jump Linux. Ok, ensuite. Bon, techniquement, on a jumpé dans Linux, il va tourner pendant un petit moment, et puis ça va s'arrêter, et puis il n'y aura pas de sortie vidéo, pas de sortie série, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Okay. Parlons matériel. Donc, qu'est-ce que c'est le x86? X86 est un set d'instructions médiocre par Intel, donc c'est pas mal, ok, mais c'est pas incroyable. Donc, la PS4 est définitivement du x86. Qu'est-ce que c'est un PC? Donc, un PC est un truc affreux, composé de trucs legacy de 1981. Donc la PS4 est définitivement pas un PC. Mais... Donc, un PC. Un PC legacy. Il a des... Peak, enfin, 8259 peak. Bon, il y a une horloge temps réel, un contrôleur clavier, un UART, un BusyZA, du VGA. Tout le monde sait ça. Même si vous pensez que vous n'avez pas d'AISA sur votre ordi, vous en avez. Et il y a du VGA. La PS4 n'a pas tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok, regardons un peu comment fonctionne un PC et comparé à PS4. Donc ça, c'est un système facile d'un PC, c'est un GPU, ça se bridge, etc. Donc il y a une interface qui est basiquement du PCI Express. Et donc on a des périphériques, du SATA, ça ressemble un peu à la PS4, donc on pourrait se dire que ça pourrait être un avantage. Ouais. Mais bon, n'oubliez pas toutes les merdes que j'ai dit sur le Swiss Cat. Southbridge, la PC. Bon. Le standard FCH de chez AMD implémente Legacy Intel. Par contre, le Southbridge Eolia implémente un autre Legacy de chez Intel de 2002. Donc, c'est pas un Southbridge. C'est un système on chip Armada Marvel. Ça n'a jamais été un Southbridge. C'est un CPU, un système on chip qui est un descendant du StrongARM, du Xscale chez Intel. C'est un ARM avec des périphériques intégrés. Ils ont mis un pont PCI Express sur le côté et oh, maintenant vous pouvez utiliser toutes mes saloperies de chez ARM. Pour le monde x86, ils ont rajouté 2-3 trucs qui étaient nécessaires, la CPU, la HPET et 256 MB de RAM. Et il se trouve qu'il y a aussi FreeBSD qui tourne en stand-by sur le chip. Et c'est comme ça qu'ils téléchargent du contenu en tâche de fond, parce qu'en fait, ils ont un deuxième OS sur une puce à part en stand-by. Mais c'est vraiment de la merde à l'intérieur. C'est totalement fou, pardon. Donc, récapitulatif. Numéro de bus, un numéro de bus, 8 bits, un numéro de device, 5 bits, un numéro de fonction, 3 bits. Ça, c'est le PC. Donc, un Southbridge normal, un contrôleur SATA, USB, etc., et quelques périphériques. Donc, un Southbridge se fait passer pour plusieurs périphériques. On a juste besoin d'avoir un numéro de fonction, et on peut en avoir que 8 dans un device. Donc, le Southbridge dit, je suis le device 42, et hop, et voilà. Si on fait un LSPCI sur un noyau Linux standard sur la PS4, on chope un truc un peu comme ça.
Donc, Leolia se clone dans tous les devices PCI Express parce qu'ils avaient la flemme de faire if device égale machin, reply else, don't reply. Non, just pardon, répondez à tout. Voilà. Et donc, Linux voit le South Bridge, voit 31 fois le South Bridge, ce qui est un peu emmerdant. Attends, différentes colonnes, le même. Et ensuite, il y a 8 fonctions, PCI Express, PCI, etc. 8 fonctions. Ok, les 3 bits sont utilisés. En fait, 8 fonctions, ça ne suffit pas forcément pour tout le monde. La fonction 4, PCI Express Glue, fait pas mal de trucs. HPET, Flash, RTC, Timer, 2 ports série, I2C, tout ça sur un seul device PCI Express. Donc, Linux a des requirements de système minimum, il faut un timer, il faut des interruptions, il faut une console. Il n'y a pas de PIT, il n'y a pas de PIC, il n'y a pas de serial standard dans la PS4, donc les trucs ne vont pas fonctionner. Par contre, il y a des points de test pour un port série dérivé du 8.2.5.0 sur la carte mère. Donc, Linux a EarlyCon, on peut pointer sur une, une console de debug assez tôt, il n'y a pas besoin d'IRQ pour ça, c'est juste un paramètre à passer au boot avec le type, l'adresse, la vitesse. Et bon, la vitesse en kilobots est différente. Non, leur clock fonctionne pas pareil. Quand on dit 3200, ça veut dire 115200. Bon, au final, on arrive, on a des messages, on voit Linux booter, on a un bootlog. Ok, on a besoin d'un timer. Sinon, tout se casse la gueule. Donc, Linux supporte le TSC, un compteur incorporé au CPU, la PS4 là. Mais Linux essaie de la calibrer sur le timer legacy qui n'existe pas sur la PS4, donc ça échoue. Donc, bon, la PS4, c'est pas un PC, encore une fois. Donc, il faut implémenter une nouvelle sous-architecture qui dit ok, c'est pas un PC, c'est un PS4. Hey, bonjour, dit le bootloader, je suis une PS4. Et le kernel dit ok, je vais pas faire la calibration à l'ancienne, je vais faire une calibration toute spéciale pour la PS4 qui va la calibrer sur les timers de la PS4 et qui désactive la mère de Legacy. Ok, c'est officiellement plus un PC à ce stade. Ok, donc on va parler d'ACPI. Vous en avez peut-être entendu pour toutes ces folies Microsoft, Intel. Bon, la plupart des gens associent ça à la mise en veille et à l'hibernation, mais c'est pas juste le power, ça fait aussi d'autres trucs. On a besoin d'ACPI pour la configuration des IOMMI PCI pour l'ajustement des fréquences CPU et bon, la PS4 a des tables cassées parce qu'ils ne les utilisent pas, donc on va les réparer. Ok, exec. Ok, on a réparé, on a serial, on a les interruptions, on a réparé des trucs. Les MSI, c'est des trucs tout nouveaux où on écrit une valeur, on dit au device quand on veut faire une interruption, écris cette valeur à cette adresse, le device le fait et le contrôleur d'interruption voit et oh, dit, c'est une interruption et transfère, exécute, lève l'interruption dans le CPU et c'est super, c'est efficace, c'est rapide. Et on obtient, on répond au CPU le vecteur d'interruption qu'il doit aller. Bon, c'est comme ça que la PS4 fait le MSI. Leolia ignore totalement les registres de configuration MEI, mais a son autre système, une fonction 4 qui a été mise comme ça, qui implémente un contrôleur MSI à la con. Chaque fonction a une adresse mémoire partagée et maximum 27 bits de données. Chaque sous-fonction a seulement accès aux 5 bits de poids faible. Et tous les MSI viennent de la fonction 4. Donc de là à là, c'est ce device qui a ses interruptions, puis c'est ce device-là. Mais pourquoi ils ont fait ça, sérieusement? C'est n'importe quoi. Ah, on voit pas les yeux dans la police, mais bon. Driver L, la folie des drivers. Donc, des périphériques sont interdépendants alors qu'ils sont pas liés. L'allocation des vecteurs d'interruption n'est pas séquentielle. Il faut modifier tous les drivers pour utiliser des systèmes d'IRQ custom. C'est vraiment embêtant. Donc, on a un driver principal qui implémente l'interface du contrôleur IRQ. On s'arrange pour qu'il se charge en premier. On peut faire ça dans Linux. On peut patcher les drivers pour qu'ils utilisent ça. On empaquette le tout pour qu'ils utilisent ce machin qu'on a fait. Et des détails techniques. Donc, on peut dire, l'input 0, donc, c'est génial parce que c'est consécutif 1, 2, 3, 4, 5, il y aura les mêmes bits au top. Donc, il faut qu'on fixe la table CPI. Donc, mais ça fonctionne, donc ça nous donne des interrupts. Et ça fonctionne, c'est cool. Donc, voilà, on a les interrupts, les timers.
les céréales, les IRQ, l'initram FS, on peut en mettre un dans un binel, dans le kernel, et hop, ça bootera, on aura une console, parfait. Et des fois ça freeze. Qu'est-ce qui se passe? Les entrées sorties. En fait, FreeBSD masque une partie des interruptions avec des fonctionnalités locales APIC AMD non standard. Donc il faut aussi nettoyer ça au cas exact. Et là, le port série est stable. Ça, on a eu plein de temps à débugger ça. On a dumpé les registres et tiens, il y a FFFFFF ici et pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, ouais. Remonter la pile pour trouver ça, c'était vraiment chiant. Okay. Donc, on a la base, on a une plateforme. Vraiment, on peut lancer un Linux totalement basique, rien faire d'intéressant. Il faut rajouter des pilotes. Donc, USB, on a trois contrôleurs dans une fonction. On a du SDHCI, une entrée-sortie non standard pour le Bluetooth, le Wi-Fi. L'Ethernet est à peu près cassé, mais bon, si on bricole le driver, ça va tourner. Et ça fonctionnait bien sous Linux 4.4. Et il y a trois jours, j'ai essayé de faire un rebase pour avoir le tout dernier et le tout meilleur. Et sous la 4.9, c'est cassé. Est-ce que la DMA est cassée? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et c'est le retour d'Eolia. Eolia contre-attaque. Donc l'Eolia, normalement, ça ressemble à ça. C'est un système à chip ARM. C'est pas un périphérique, c'est son propre système. Ça map les 2 gigas inférieurs de son espace mémoire sur le PCI, et le PCI a une petite fenêtre dans ses registres qu'elle utilise pour contrôler ses devices. Donc si c'est mappé au même endroit, ça fonctionne. Mais maintenant qu'on a une IOMMI, dont on a besoin pour les interruptions, il a inséré son propre espace mémoire au milieu de tout ça et mappé ce que vous voulez où vous voulez, c'est génial. On a une table, cette adresse elle va là, etc. Et donc Linux va choper des adresses en bas de l'espace mémoire de l'IOMMI, la page 2 elle va là, la 3 elle va là, etc. Ok, périphérique, dit-il, tu peux écrire à telle ou telle page. Et donc ils vont à cette page sur x86, ça marche bien. Mais quelque part entre la 4.4 et la 4.9, il a commencé à fonctionner comme ça, mappé depuis le haut de l'espace au lieu du bas. Et c'est bien pour la UMMU, mais c'est plus dans la mémoire, c'est plus dans la fenêtre. Donc tu dis à Ethernet, fais du DMA sur l'adresse FFF, et au lieu de faire du DMA au bon endroit, ça le fait au mauvais, et ça marche plus. Et en gros, la Eolia fait du DMA sur 31 bits et pas 32, donc, ok, pourquoi, mais c'est totalement dingue, quoi, mais sérieux. Il y a plein de trucs qui utilisent ça dans Linux, donc patcher plein d'endroits, ça fonctionne, mais ah, ça fait mal, quoi. Ok, les périphériques, ça fonctionne maintenant pour quelque chose de totalement différent. Qui peut me dire quel est ce personnage? C'est Starshar from Space. Et c'est le nom de code de la Radeon de la PS4, un de ces noms de code. Bah, apparemment, ils en ont plusieurs, ils sont pas d'accord sur lequel c'est. Il y a certains endroits où c'est Liverpool, d'autres endroits où c'est Starshar, d'autres c'est FBJ. On pense que Sony l'appelle Starshar, KMD l'appelle Liverpool, mais on sait pas trop. On l'appelle Liverpool partout, comme ça on sait de quoi on parle. Ok, donc ce GPU, il fait quoi? C'est un CPU AMD de la génération Sea Island, écrit avec un C parce qu'il y a déjà le S qui est pris. C'est similaire aux autres chips de sa génération, donc c'est pas un truc totalement fou, totalement nouveau. Mais il a quelques bizarreries, quelques customizations. Donc on a pris Bonair, qui est un CPU qui est déjà supporté par Linux comme base. Et ok, fait tous les trucs Bonair et changer les trucs et on va essayer de l'adapter à la PS4. Donc, hacker les drivers AMD. Bon, ils sont open source, mais ils publient pas la documentation de leur registre. Donc, on a les commandes en user space de programmation 3D, mais pas celles des registres serveurs dont on a des registres noyaux dont on a besoin quand on veut faire des drivers. Vous pouvez penser d'aller lire le driver Linux. Oui, mais c'est pas complet. Il y a des nombres magiques de partout.
On ne sait pas s'il faut écrire un nouveau registre. C'est vraiment nul d'essayer d'écrire un driver en lisant un autre driver qui n'est pas documenté. Quoi. Donc, on fait quoi ? On utilise Google, hein, on est des hackers. Hop, Google c'est tout. Et toutes les bizarreries qu'on peut trouver sont sur un forum, un dump de code. Donc on a googlé cette petite string, R8XX GPU, en double quote, et on a 9 résultats. Et le deuxième, c'est ce Silicon Kit token, ok. C'est un fichier XML. Si on regarde, ça a l'air d'être un dump de la configuration de registre Bonner, mais c'est cassé, c'est incomplet, ça s'arrête à un endroit. Mais bon, ok, qu'est-ce que ça fout là? Ça vient d'où? C'est quoi? Donc, ok, qu'est-ce que tu sais sur ce website, Google? Ok, no.txt, oui.txt, qu'est-ce que c'est que ça? Des fichiers XXL, des feuilles de style XML. Il y a un truc qui s'appelle ria.grammar.cat.txt, c'est quoi? Oh, mais c'est la grammaire en notation BFD de description, la syntaxe de documentation de registre. Ça a l'air d'être un format interne AMD, mais c'est sur ce site web. D'accord. Bon, on a ces deux URL. /pragmatic/bonner/rai/rai.grammar4.txt. Cherchons un truc. Essayons pragmatic/bonner.rai. Non, 404. Ok, rai/bonner.rai. Oh, bingo! Donc, ça, c'est un Bonner complet, une documentation du registre avec tous les champs du registre, avec toutes les adresses. C'est pas à 100%, mais il y a la grande majorité. Donc ça, on dirait que c'est du stuff interne à AMD. J'ai cherché l'auteur de ce site et apparemment, il a travaillé chez AMD. Donc ça, c'est vraiment, vraiment utile parce que maintenant, on sait ce que tout veut dire. On peut débugger les registres, etc. Donc, il a écrit un parseur pour ce format. Donc, c'est... utiliser du XML cassé, donc voilà. Donc, il a écrit un parseur de XML en Python où on peut dumper et on peut voir chaque registre, ce que ça veut dire. Donc, on peut prendre un dump des registres et puis le mapper sur les trucs documentés. On peut faire un diff dump. C'est très utile pour les GPU AMD et ça s'applique finalement à beaucoup de GPU AMD parce que finalement, c'est utile à tous ceux qui essaient de faire du hacking AMD parce qu'ils partagent beaucoup de registres. Ok, donc on a quelques documentations. Comment on arrive à un frame buffer? Donc, le GPU c'est HDMI. Donc si tu demandes l'information du GPU, tu vois qu'il a un port HDMI. Mais si le HDMI, tu demandes au GPU, il dit « Ah, ben le HDMI n'est pas connecté, le DisplayPort est connecté. » Ok. Donc, oui, ils ont un encodeur extrême pour le HDMI sur des pays sur HDMI. Donc, Sony a implémenté un chip qui convertit le protocole A sur... Et donc, ouais, voilà. Ouais. Sony. Ok, donc, ouais. C'est un DisplayPort Panasonic sur une bridge HDMI. Donc, ça ne fonctionne pas, même si quelques bridges fonctionnent. Donc, dans le passé, des cartes AMD ont utilisé ces bridges. Donc le code supporte de parler à travers l'interface de PC. Ça a l'air simple. Non, c'est sur Sony. Et voici le protocole ICC. Donc, le protocole ICC est un protocole RPC qui est utilisé pour envoyer des commandes au MCU système. C'est un système de message box. On écrit un message, une location mémoire. Écrit ça, hop, il vous répond, il dit, voici la réponse. C'est accessé par l'Eolia, c'est utilisé pour des trucs style bouton power, allumer, éteindre, les LED, et aussi le système intégré qui gère l'encodeur HDMI.
Et donc, il faut encore coder un driver pour ça. Génial. Bon, ok. C'est de l'I2C. Bon, c'est simple. On lit un registre, on écrit un registre. On a besoin de ça. C'est tout. C'est simple. Ok, ok. Non ! Créons un moteur de script en bytecode pour envoyer des commandes à I2C. Utilisons ça partout. Mais pourquoi Sony ? Mais pourquoi Sony ? Mais parce que la SSC, c'est tellement slow, tellement long que si on essaie de faire une lecture, une écriture à la fois, ça prend 2 secondes d'allumer le HDMI. 2 secondes. Ouais. Ouais. Je sais vraiment plus. À ce stade, j'ai aucune idée. Et au passage, ce truc a des commandes où on peut envoyer des scripts à lancer quand certains événements se lancent. Donc on peut mettre des scripts dans les scripts pour faire du I2C dans le I2C. Donc, bon. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Donc, on a du code pour ça, on a des hashes, on a. Memory bandwidth calculation is broken. Mouse cursor size is from the previous GPU generation. Il y a plein de trucs qui sont cassés, les tailles de curseur bureau. Il nous faut 4 lignes CPU. Bon. Mais on a une console frame buffer. Bon, on a une architecture mémoire unifiée sur la PS4. On a un pool de mémoire qui est partagé entre l'x86 et le GPU. Et les jeux mettent un truc à tel endroit en mémoire et disent au CPU, hey, rends-moi ça. C'est très, ça fait sens, c'est très pratique. Les drivers utilisent ça. Et du coup, les anciens GPU avaient une mémoire séparée, et on peut émuler la VRAM en utilisant de la mémoire système, et on a des PC qui font ça, c'est configurable dans le BIOS, et la PS4 configure la VRAM émulée à 16 MB, ce qui n'est pas assez pour avoir un seul frame buffer HDMI. Alors qu'il en faut 4, quoi. Donc la solution, c'est reconfigurer le contrôleur mémoire de la PS4 pour donner 1 GB de RAM en tant que VRAM dans le PS4 KXEC. Donc on fait des trucs du style de ce que ferait un BIOS, on reconfigure le North Bridge. Bon, ça marche. On a X qui démarre, c'est pratique, il peut allouer son frame buffer. Ok, donc maintenant la 3D, l'accélération matérielle graphique, ça fonctionne pas tout à fait là. On a X11, mais ok, parlons des CPU Radeon pour un instant. Donc quand on veut dessiner un truc sur un GPU, on lui envoie une commande, on la passe dans un anneau, une structure en mémoire, et ça tourne. On peut faire une queue de trucs à exécuter, et ça le fait. Voilà. Donc on a un anneau de graphique, on a un anneau compute pour le GPGPU, et un anneau de DMU pour faire les copies mémoire. Les commandes sont traitées par le command processor du GPU, qui a en fait plusieurs CPU dans un GPU, qui run du CPU du microcode AMD propriétaire, donc c'est une sous-architecture. Donc, les anneaux peuvent faire des appels dans des buffers indirects avec encore plus de commandes. Et c'est comme ça qu'on fait les choses en user space. Tu dis « Hey, dessine au kernel !» Et le kernel dit « Hey, jump là-dedans !» Et retourne. Et en gros, c'est comme ça que fonctionnent les GPU, mais particulièrement les Radeon avec ce F32. Donc, le driver n'est pas content, Ring Zero Test Failed. Donc, au moins, on a des diagnostics assez sympas, le test ne fonctionne pas, comment il marche, il met une valeur dans un registre, et veuillez écrire à cet endroit cette valeur et vérifier si, bon, il y a bien l'écriture à fonctionner. Donc, l'écriture ne se produit pas, hein, jamais. Bon, par chance, on a trouvé les registres de debug, hein, merci bonair.rai, qui montre que le processeur de commande est coincé et qu'il attend en fait des données dans l'anneau après une commande NOP. Ouais. Bon, NOP c'est difficile, donc maintenant on va ralentir. Donc les headers de paquets ont un champ de longueur de taille -2, donc un paquet de 2 mots a une taille de 0, et AMD a rajouté un paquet de 1 mot avec une taille de -1. Et tout le firmware ne supporte pas ça, et pense que c'est un paquet de 3FFF, un paquet énorme, donc il va attendre dans le buffer pour plein de codes. Il y a le même problème dans Hawaii, un autre CPU, dans les vieilles versions du microcode. Donc, ils ont modifié le paquet NOP, rajouté une exception dans le driver. Mais bon,
Là, on s'est cogné la tête pendant beaucoup d'heures à ce stade. Mais bon, ok. Donc, on a réparé. Bam, ring, sweet, test failed. C'est l'anneau SDMA pour copier des trucs dans la mémoire. Ça fonctionne pareil. Hein. Ça met une valeur en mémoire. Ça dit, hey, écris-moi ça et vérifie. Et cette fois, on voit l'écriture, mais ça écrit un 0 au lieu du dead beef ou du... Donc, on va essayer ça. Si je mets deux commandes d'écriture, écrit ici, écrit ailleurs, et cette fois je vois ce qu'il fait, il écrit 1 à la première destination et 0 à la deuxième. Ok. Ça devrait écrire dead beef en principe. Donc ça écrit 1. Ok, il y a un 1 ici. Qui n'était pas avant, c'était un 0, c'était du padding. Bon. En fait, ils ont une erreur de off par 4, de décalage par 4 dans leur parseur, et ça lit 4 mots après de ce que ça devrait lire. Donc, bon, encore des heures à se cogner la tête. On essaie des commandes au hasard. Un, ça marche. Pourquoi? Donc, ça lit 4 mots après, mais seulement dans les ring buffers, dans les buffers indirects, ça fonctionne bien. Bon, heureusement, hein, parce que ça vient de l'other space. Et bon, les trucs sont utilisés que dans le kernel, on peut écrire une autre commande fill. Bon, mais comment ça se fait que les gens fassent des erreurs pareilles? Bref. Bon, ça, on peut faire passer les tests GPU maintenant, mais on a des page faults. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas écrire les registres de page du GPU depuis des commandes internes du GPU. On peut les écrire depuis le CPI. C'est une écriture mémoire registre. Mais on peut pas dire au GPU en lui-même, écris-moi dans le registre des pages, ici. Donc tout est cassé. Et FreeBSD utilise pas ça, par contre Linux l'utilise. Et il y a peut-être du firewall ou un truc qu'ils ont rajouté, un firewall dans un nouveau registre. On peut écrire directement depuis le CPU, mais c'est plus asynchrone, ça pourrait casser des trucs, c'est un hack vraiment dégueulasse. J'aimerais beaucoup réparer ça, et peut-être qu'il y a un firewall dans le firmware, mais qui est propriétaire et non documenté. Donc en parlant du firmware, c'est du microcode, hein, qui n'est pas documenté pour le moment, mais on a pris les blobs de FreeBSD, hein, c'est bien, on n'a pas à les redistribuer, donc ça va. Et on peut creuser dedans. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'ingénierie interne sur une CPU architecture inconnue? Bah, c'est simple, hein. Devinez ce que fait une instruction, essayez de la lancer, regardez ce que ça a fait, recommencez. Donc, si on fait un firmware de deux instructions, qui fait deux trucs, écrit un registre, c'est facile à faire. C'est facile à trouver dans le binaire parce qu'on va voir ça, on va voir les offsets. On va les identifier facilement. Donc, en gros, on a écrit un désassembleur pour le GPU du microcode, le microcode GPU F32. Donc, registre ARM. Hein, c'est pas complet, mais ça peut désassembler toutes les instructions de tous les firmwares de Liverpool pour le PFP, le ME, le CE, le MEC et le RLC qui sont des blocs différents du GPU. Et, bon, les firmwares GPU, c'était de la magie du voodoo avant ça que personne connaissait, donc voilà, on a un tool. Et on peut désassembler les CPU de PC aussi, hein, c'est pratique pour débugger des problèmes d'ébus bizarres et pas seulement les trucs de la PS4. Ok. Hélas, c'est pas dans le firmware. Ça a l'air d'être bloqué au niveau matériel. J'ai trouvé un registre de déblocage qui dit qu'il y a une violation d'accès au bus quand on essaie d'écrire ça. J'ai essayé de le contourner de différentes manières. J'ai même acheté un système desktop APU AMD. J'ai fait des diffs sur les registres entre Linux et FreeBSD et essayé de set toutes les valeurs de l'un sur l'autre en espérant trouver des nombres magiques ou un truc comme ça. Ils ont probablement réglage quelque part. Bon, c'est des 0 et des 1, une merde. 1 et 2-0, bon courage. Ça écrit sur le CPU. On peut faire de la 3D si on écrit avec le CPU. Bon, c'est dégueulasse, il y a des race conditions, mais ça fonctionne. Donc la checklist, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Interruption, timer, pansérie. On peut éteindre le système, on peut rebooter. C'est drôle, mais bon, on fait de la ICC, donc il y a du code sympa à cet endroit-là.
Donc j'ai implémenté ça il y a 4 heures, parce que oui, la prise déconnait à force. Le bouton power fonctionne, l'USB fonctionne. Un truc drôle, c'est que ça marchait pas. On a dit qu'on allait réparer plus tard, c'est un cas spécial. Et puis, quelqu'un a poulé du USB not working et ça marche, donc apparemment on l'a réparé par accident. Le disque dur fonctionne, le Blu-ray fonctionne. J'ai écrit un driver il y a 2-3 heures pour ça. J'ai passé 20 minutes à chercher quelqu'un dans le Hack Center avec un DVD. Donc ça devient difficile de trouver des DVD. Mais ça fonctionne. Donc c'est cool. Le Wi-Fi Bluetooth fonctionne. L'Ethernet fonctionne, mais seulement en gigabit. Le FrameBuffer fonctionne. L'HDMI fonctionne, mais c'est hardcodé en 1020p, en 1080p. On pourrait réparer ça en améliorant l'implémentation de l'encodeur. La 3D fonctionne avec le Hack Immonde au niveau des registres. Et la sortie audio SPDIF fonctionne, c'est cool. La sortie audio HDMI fonctionne pas, essentiellement parce que bon, l'audio, j'ai commencé à le faire fonctionner de manière assez basique récemment, et donc au niveau de l'encodeur, c'est pas encore supporté. Et l'horloge temps réel n'est pas supportée. Et si vous pensez que c'est simple, ok, l'horloge, elle est simple, mais la manière dont Sony a implémenté la RTC dans la PS4, au lieu de lire et écrire dans l'horloge, ils écrivent jamais le temps dans l'horloge. Ils conservent des offsets dans un endroit bizarre par rapport à... Enfin, c'est un gros bordel d'appels de registre sur la PS4. Je sais même pas où c'est stocké, peut-être dans le disque dur. Enfin, bon, c'est trop compliqué de faire de passer l'heure juste à la RTC, mais bon, on s'en fout. Hein. Ça me suffit comme ça. Et on a les blinking lights, c'est très important, les lumières qui clignotent hein, sous Linux. On peut faire des trucs marrants avec les LED. Donc c'est cool. Donc le code. Vous pouvez choper le code de PS4 KXZ sur notre part GitHub. Il y a la configuration hardware, le code du bootloader. Donc on a le fork du kernel PS4 Linux rebasé sur la 4.9 qui est la point version la plus récente. On a trois petits patchs au driver Radeon et les bibliothèques espace utilisateur pour supporter ces patchs. Ainsi que les outils FD3210 et RAI que j'ai mentionné tout à l'heure. On peut trouver tout ça sur le repo. Je les ai push juste avant ce talk. Donc oui, si vous voulez aller chercher sur ce site web, dépêchez-vous de regarder avant qu'il enlève, mais bon, il y a toujours là l'Internet Archive. Donc, bon, voilà l'histoire de comment est-ce qu'on a fait pour faire tourner Linux sur la PS4. Et vous pouvez nous choper sur ce site web ou FellowWaffle sur Twitter. Merci. Donc, j'espère que c'était pas trop rapide. Désolé, j'ai tendance à rusher un peu dans mes 89 slides parce que je voulais vraiment faire une démo. Et ensuite, c'est la démo, hein. Mais on pourrait, en fait, essayer de faire quelque chose d'autre. Peut-être que j'arrive à éteindre. Si j'arrive à viser. Ok, c'est pas le bon bouton. C'est pas le bouton droit. Fermé, yes, ok. Donc on a cette petite icône ici. Qu'est-ce que ça fait si je clique? On a accès à Internet. J'espère que le Wi-Fi fonctionne. Laissez-moi vérifier vite fait. Ça pourrait fonctionner assez mal si on n'a pas le Wi-Fi. Ping 8888. Ok, c'est bon, on a le Wi-Fi. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on clique là-dessus? Ça met un moment à charger, c'est pas optimisé. Donc, les CPU sur ce truc sont assez lents, mais regardez, ça fonctionne. Et maintenant, c'est une vraie console de. Et c'est. Ok, voilà, on y est. Donc, oui, je pense qu'on peut faire des questions-réponses parce que ça met du temps à charger, mais on peut essayer un jeu.
Well, if you are for Q&A, I think there will be some questions. Donc, si vous voulez des Q&A, je pense qu'il y aura des questions. Donc, est-ce qu'on commence avec une question de l'Internet? Testing. Voilà. Donc, l'Internet a envie de savoir si, dans la plupart de votre recherche va être publiée ou ça va rester privé. Tout ça, en principe, donc tous les codes et les applications que j'ai donnés, c'est ça mes recherches. Donc tout est sur GitHub, tous les pilotes, tout. Il y a aussi les specs du code. Si vous voulez, je peux écrire des pages de wiki là-dessus, mais en gros, ce qui est sur le driver, c'est ce qu'on a trouvé. Le truc le plus intéressant, à mon avis, c'est toutes ces histoires de F32 du GPUMD. Mais si vous avez des questions générales ou que vous voulez des détails que vous me posez, je ne saurais pas trop. Ça pourrait être sympa de documenter tout, mais bon, c'est pas que je veux pas. Voilà, les ingénieurs paresseux. Bon, bref, mais au moins on a le code qui est plutôt clean sur GitHub. Okay, so someone is piling up on 4. Guys, if you have questions, you see the microphones over here, just pile up over there and I'm gonna... Donc si vous avez des questions, allez sur le microphone, microphone 4. Small question. Donc, une petite question. How likely is it that you à quel point c'est probable que vous allez upstreamer un peu de cette chose? So, there's two sides to that. One side is that we need to deux faces. La première, c'est qu'il faut actuellement le faire. Le deuxième, c'est qu'il y a des trucs qui fonctionnent plutôt bien, mais d'autres qui sont un peu des hacks dégueulasses. Donc, il faut qu'on s'installe, qu'on le fasse. La plupart des histoires de x86 custom, c'est faisable. Par contre, les hacks au niveau des interruptions, c'est un peu dégueulasse. Donc, si vous avez une meilleure façon de le faire, des développeurs kernel par ici. Bon, le truc de la Radeon, c'est inférieur au standard de qualité et de manière compréhensible, les développeurs de pilotes AMD qui travaillent pour AMD aimeraient bien, enfin, il se pourrait qu'ils ne souhaitent pas s'associer à ce projet pour des raisons compréhensibles. Mais bon, ils ne peuvent pas réellement nous stopper de streamer les trucs dans le prochain noyau, donc si au bout d'un moment, si on a un code montrable, on le fera, mais c'est peu probable. C'est probable que les trucs non liés au GPU rentrent d'abord. Après, si vous voulez essayer d'upstreamer, allez-y, c'est open source. Hein. Ok, microphone 1. Hello. Donc, d'abord, je pense que. Il faudrait qu'il trouve Trevor Hudson et être forcé pour utiliser ton implémentation de FreeBSD dans... Ma vraie question est... Si la raison que tu as utilisé Gentoo, c'est parce que le système D était encore un obstacle à faire que ça fonctionne. Ouais. Je fais tourner Gentoo sur ma machine principale, sur la plupart des machines que j'aime bien. J'ai aussi Arch sur certaines machines, je sais gérer System 2. Mais j'aime beaucoup Gentoo parce que c'est léger, c'est facile d'utiliser des packages, des patches, pardon. Pas besoin de tout cloner, choper les patches des portages, j'ai plus besoin de ça. C'est simple de patcher des packages sur Gentoo, c'est une des raisons principales pour laquelle j'utilise Gentoo. Number 3, please. Numéro 3. Donc, est-ce qu'il y aura des nouveaux exploits, des nouvelles façons de booter Linux sur une PS4? Donc, parce que trouver un avec l'ancien firmware, c'est assez rare. Donc non, ça c'était le firmware numéro 5. C'était 504. Mais notre but, c'est de se focaliser sur... donc, j'ai donné l'histoire sur les exploits, mais notre but, c'est de se focaliser sur notre truc Linux. Donc, la raison qu'on n'a pas envie de publier notre exploit ou qu'on n'a pas envie de s'enlever dans la scène des exploits, c'est que c'est pas très compliqué. C'est pas du code vraiment custom. Donc, c'est pas très dur de faire ça sur du BSD. Et on sait que plusieurs personnes l'ont reproduit sur différents firmwares. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit nous qui vous donnons les exploits. Donc, on n'a pas envie que ça donne lieu à plein de controverses. Donc faites-le vous-même pour cette fois. Merci. Et qu'est-ce que dit l'Internet?
L'Internet a envie de savoir si vous avez, si vous êtes amusé sur le, avec le BSD sur le deuxième processeur. Ah, c'est une très bonne question. Et moi-même, j'ai pas testé. Je crois que quelqu'un d'autre a regardé ça brièvement. Une des commandes pour rebooter va booter ce CPU-là sous FreeBSD. Et il y a probablement des trucs rigolos à faire, mais on n'a pas vraiment creusé. Et le micro 5. Donc je me demandais s'il y a quelque chose, ces choses qui s'appliqueraient sur la PS4. Donc, pardon. Ah oui, donc Sony a sorti une nouvelle PS4, donc la PS4 Pro. La PS4 Pro, oui. Donc Linux boot sur la Pro, on est allé aussi loin. Par contre, le GPU est cassé, donc on aimerait que ce soit supporté et que ça fonctionne sur la Pro. Donc il y a des mises à jour incrémentielles, c'est pas si dur que ça, mais il faut redéfinir des trucs au niveau du GPU. Bon. Et vous avez trouvé des amis. Donc la 3D fonctionne, hein, vous pouvez voir. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Regardez en haut et en bas. Dans ce jeu, il faut faire ça. Numéro 3. J'aimerais demander si vous avez envie de porter ça, ces patchs Radeon pour le nouveau GPU AMD, parce que AMD supporte maintenant les Thousand Island GPU. C'est une très bonne question. En fait, la première tentative qu'on a faite pour les drivers AMD, ça ne fonctionnait pas du tout à ce moment-là. La fraîcheur du driver était. Le driver n'était pas frais. Le support était expérimental, donc ça pourrait marcher. À partir du moment où on aura une implémentation nettoyée qui fonctionne mieux, on va réessayer les GPU AMD, on verra si ça fonctionne, parce que les GPU de nouvelle génération ont besoin de ce genre de choses. Nouvelle question d'Internet. Donc Internet se demande si, ou dit qu'il y a une année, tu as discuté sur Twitter avec quelqu'un que la PS4 n'était pas un PC, et maintenant tu dis que la PS4 est comme un PC, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, encore une fois, la raison de dire que c'est pas un PC, c'est que c'est pas un compatible IBM PC. C'est un périphérique, un appareil x86 qui est structuré à peu près comme un PC. Mais si on regarde les détails, il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Ça se comporte comme un PC, mais on peut définir une subarch. C'est un x86, mais c'est pas un PC. C'est une distinction très importante. Il y a plein de trucs que vous avez jamais entendu parler qui sont de x86. Mais pas du PC. Il y a des chances que votre écran télé à la maison ait un x86 à l'intérieur. Donc, ouais. Plus personne au micro. Une dernière question d'Internet. Oui, donc il y en a une. Et donc, la question est... S'il y avait besoin de décryption... Non, pas de décryption nécessaire. Donc, les exploits WebKit, on a l'user mode, exploit kernel mode. Il n'y a rien qui vous empêche de faire tout ça. Il y a une sandbox FreeBSD, mais bon, on la contourne. Il n'y a pas d'hyperviseur, il n'y a pas de monitoring, il n'y a rien qui dit « Oh, mais ce code ne devrait pas tourner ». Il n'y a pas de contrôle d'intégrité. Ils ont une architecture de sécurité, mais c'est un truc Sony qu'on peut totalement contourner, quoi. Et... La PS3 était notable pour le fait que le jailbreak USB, donc un appareil de piratage USB que quelqu'un a sorti, qui utilise des exploits USB dans le kernel, et rien que ça pour rendre possible le piratage. Donc on a toute une pile de sécurité, on casse juste un truc et bam, piratage. Ça, c'est un gros fail. Donc, Sony sait pas comment faire des architectures sécurisées. Ça y est, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Les applaudissements. Thank you.